Voilà, et deuxième championnat du monde dans cette Exhibition Hall de Madison dans le Wisconsin, qui va opposer, vous le voyez, le champion Bones Adams. Il va être opposé à André Fernandez, le Mexicain, 27 ans, pour le titre WBA des Supercoqs. Alors on apprécie évidemment cette entrée assez originale, hein, pas au milieu du public mais sur un petit podium. Bones Adams, 26 ans, qui est du Kentucky. Et puis la présentation des juges. Et bien sûr de monsieur l'arbitre Monté Oswald du Michigan. Ouais, au sujet de l'arbitre Thierry, un grand nous a quitté, Mitch Alpern. Il avait arbitré plus de 87 combats pour un titre mondial, notamment le premier Tyson Holyfield, le second Lewis Holyfield, De La Hoya Quarté ou De La Hoya Trinidad. C'est triste. Quoi. Alors qu'on vous présente le challenger Andrés Fernández, le Mexicain, 27 ans, qui est né à Chihuahua en 73. Donc, alors vous découvrez son palmarès. Hein. 16 victoires, 4 défaites, dont 13 KO. Et Bones Adams, qu'en fait, qui s'appelle réellement Clarence Richard Adams, qui est né à Mont Carmel, dans l'Illinois. Voilà, vous découvrez également son palmarès. Alors, on voit tout de suite que c'est pas un cogneur, hein, c'est pas un frappeur. Hein, 39 victoires, 18 KO, c'est une moyenne très basse. Hein. Oui, c'est pas un puncher, c'est clair. Voilà, on appelle les deux hommes pour l'habituel. Pour la dernière recommandation, en fait, les boxeurs savent très bien ce qu'ils ont à faire, mais c'est bien de rappeler au dernier moment qui veut un combat net, qui veut pas qu'on frappe ou c'est interdit, qui veut pas donner de coup bas. Enfin, quand il dit stop, faut se séparer. Voilà. Et puis peut-être ce dernier moment où les deux hommes se jugent ou fuient un peu du regard, ça dépend des attitudes et. C'est vrai. Il y a un côté psychologique peut-être dans ces quelques secondes aussi. Important. Puis la façon de frapper les gants aussi. C'est les petits moments. On a hâte en fait, quand on est là pour faire un combat, on a hâte du premier coup de gong. Ouais, parce que c'est long, les hymnes, les hymnes de l'arbitre. Enfin, bon, c'est toujours un cérémonial où on a envie effectivement de se libérer et d'y aller avec donc le tenant de cette ceinture WBA des Supercoqs. Voilà, c'est une soirée petite catégorie. Eux pèsent 55,338 maximum, 55 kilos bien sûr. Voilà, culotte bleue avec la ceinture blanche. Vous voyez à gauche de votre écran le champion du monde Bones Adams. Et début de cette première reprise. Voilà, à peu près. Même morphologie, ça veut dire en gros, même style de boxe classique. Là, on ne devrait pas avoir des enchaînements plus de 3 coups. Ouais, Bones Adams qui a commencé la boxe tout jeune, comme sport éducatif à l'âge de 5 ans. Ah, ce qu'on ne fait pas suffisamment en France, malheureusement, je crois que la fédération. Faites gros efforts, mais il faudrait vite mettre ça en place un peu plus. Voilà, il change de direct du gauche. On essaie de se désaxer. Oh, oh, quelle est belle cette droite en contre. Sur le direct du gauche, il la donne au moment où l'adversaire se lance. Ah, c'était bien ça. Ah ouais. Très joli coup technique. Et on a senti une grosse puissance hein, sur ce coup. Ouais, ça devient puissant, c'est que souvent c'est comme deux voitures qui se rencontrent, quoi, plutôt qu'une qui veut pousser l'autre. Ouais, Bones Adams qui essaye de lire là, hein, on le sent la boxe d'André Fernandez. Qui a disputé son premier combat pro en 95 à Los Angeles, en mettant KO Gabriel Tinajeros. On voit plus facile gestuellement, il est moins contracté d'abord. Beaucoup moins contracté, le bras gauche est un peu bas, il laisse l'ouverture pour la droite. Euh,
Mais pour l'instant, il maîtrise bien. Même si ce sont des assauts, c'est un petit peu brouillon, ça lui permet de contrôler. Attention à cette droite, le bras à gauche, il faut le remonter un petit peu. Quoique aux États-Unis, c'est un peu l'attitude. Bien. De quoi il se plaint? Je sais pas, il a le sentiment de peut-être de prendre des coups dans le dos, mais enfin bon, pour le moment, il n'y a rien de flagrant. Hein, dans le dos, bien. Dans le dos, c'est évidemment interdit, mais là, il le donne derrière le coude. Et il a complètement le droit de chercher le foie après la côte flottante, c'est parfait. Ouais, beau travail au corps là, du champion. Trop raide sur les jambes, Fernandez. Beaucoup trop raide, manque de souplesse en plus du torse, on le voit. Un petit peu brouillon dans ses assauts. Ouais. Bones Adams qui joue pleinement son rôle de champion, en laissant venir son challenger, en essayant de bien lire sa boxe, bien la comprendre. Il a un bon coup d'œil en plus. Voilà. André Fernandez qui revient dans son coin. Fin de cette première reprise. On va certainement lui dire dans le coin que c'est autorisé de frapper derrière les coudes. Évidemment, pas dans le dos, ça c'est clair. Voilà, avec la plaque. Ça c'est une plaque en argent qui est dans un seau de glace et qui permet de stopper, non pas de résorber, enfin résorber un petit peu, mais à peine, un hématome qui est en train de grossir, naissant. C'est un outil qu'il faut bien utiliser pour les soigneurs. Voilà, on va les revoir ces coups ralentis. Voilà, parfait ça. Derrière le coude, sur la côte flottante, et ça fait très mal, je le comprends. Mais si on veut pas avoir mal, il faut faire un nouveau sport. Hein. Ouais, il peut râler parce qu'il a eu mal, mais pas parce que c'est un coup interdit. Deuxième donc reprise de ce championnat du monde WBA des super coqs avec donc le challenger Andrés Fernández qui reste sur 2 victoires en l'an 2001. Il avait disputé le 17 février un combat en 8 reprises qu'il avait remporté et puis le 15 avril il avait mis KO Jesus Garcia et maintenant il a cette chance mondiale. Voilà. Bien ce que vient de tenter Fernández. Puisqu'il a l'ouverture avec sa droite, son coup droit, compte tenu de la main gauche qui est très basse. D'Adamoué, mais quelle réplique! Ah oui, Bones qui est en train de répliquer, qui ne veut pas laisser Fernandez s'emballer. Il y a le passage pour la droite, c'est dangereux ce que fait Bones. Hein. Bon talent. Oh, attends, petit coup bas. Ce qui est bien la différence sur les jambes. Il y en a un qui a les pieds plats, les pieds à plat. Et l'autre qui est sur la pointe des pieds, ce qui lui permet de bouger quand il en a besoin, où il faut, quand il faut, sur le côté en arrière. Ce qui n'est pas le cas de Fernandez qui vient de front et souvent de face. Ouais, Bones beaucoup plus disponible. Hein. Il était devenu champion du monde. Attention quand même à ces accélérations du Mexicain. Ouais, Bones qui était devenu champion du monde en mars 2000 contre Nestor Garza. On vous l'avait passé ce championnat du monde sur Canal. Elle a une chance Fernandez, là, c'est justement d'essayer d'enfermer dans l'angle du ring ou alors contre les cordes parce qu'on le sent plus russe, plus fruste dans sa boxe, plus ruste, mais il est fort physiquement. Oh, attention à ça, ses mains un petit peu basses du côté du champion. On essaye, Jean-Claude, de beaucoup travailler au corps quand même. Et son palmarès le prouve. Hein, il est sur le nombre de victoires qu'il a, Fernandez. Il est efficace. Et oui, 15 victoires, 13 KO. Il est peut-être moins gelé sur le plan technique, sur le plan esthétique. Mais et c'est vrai qu'il paraît. Quand il donne des coups, c'est des véritables coups de trique qu'il donne. Il est sec. Ouais, il est un petit peu raide. Raide hein, même, ouais, hein. Il est trop raide. Ouais. Malheureusement, voilà ce qu'il subit là par la facilité gestuelle
de... Ah oui, magnifique, magnifique, uppercut. Il se lance, Fernandez n'y touche pas. La souplesse du tronc de Bones Adams lui permet eh bien, d'éviter les coups. Et fin de cette seconde reprise. Avec un combat qui est en train de se dessiner tout doucement. Il est blessé à la pommette, pas grave, mais légèrement ouvert. C'est suite au coup, à mon avis, la droite qu'il a pris à un moment. Ça a dû faire des dégâts. Ouais, Fernandez qui va essayer de faire parler sa puissance. Ouais, même si on sait en fait que Bones Adams n'est pas un puncher. Ça se saurait, et son résultat est là, son palmarès est là pour le prouver. Mais il reste tellement précis et on va revoir. On va revoir sûrement la droite. Non, c'est pas encore. Là, c'est les quelques esquives de Bones Adams. Ben non, on verra pas. Ouais, 39 victoires, hein, Bones Adams. Quand même une bonne expérience déjà sur le haut niveau pro. Grosse carrière amateur, hein. 176 victoires, 180 combats, 176 victoires. Et puis il passe pro il y a 10 ans, le 3 avril 90. Combat qui peut s'emballer uniquement si Fernandez pousse un peu plus. Alors il n'y a pas eu de temps mort, on est dans la troisième reprise. Mais il n'y a que Fernandez qui peut emballer le combat si... Il faut qu'il reste précis, non pas frapper là dans la coquille comme il l'a fait. Ouais, sur un homme qui rentre, qu'est-ce que c'est beau, l'uppercut, le gauche et l'uppercut derrière. Ah, comme il est ouvert, hein, c'est une possibilité énorme. Non, c'est un petit peu... On s'est bousculé. Ouais, puis c'est Fernandez, il est brouillon. Ah oui, il est bien ouvert, hein. Enfin il est bien ouvert, on sent que... C'est un lieu où Bones Adams ne va pas se gêner de taper pour essayer de... Bah, ça fait partie du jeu, hein, c'est pas... Aggraver une blessure pour inciter l'arbitre à appeler le docteur et provoquer l'arrêt donc du combat, c'est clair. Moins on fait de round, mieux on se porte. Hein. Oui, et puis là c'est vraiment une blessure qui ne porte pas à conséquence, hein, c'est la pommette, c'est pas très grave. Ça peut être impressionnant. Ça ne gêne pas, je veux dire, y a pas, on n'est pas aveuglé par le sang. Et... Ouais, attention, tête. Il est tellement fougueux, tellement brouillon Fernandez qu'il fait beaucoup d'erreurs. Il est fort. Il essaie de faire mal. L'accélération du Mexicain. L'arbitre qui est un petit peu loin là, à ce moment précis là, parce que il faut être très très près si on veut voir toutes les irrégularités. S'il y en a, il a eu notamment des coups de tête. Tout sur la puissance de son punch, le Mexicain. Avec un champion en face de ses super coques qui tournent, qui essaye de. Oh, attention. Oh là là. C'est bien. Le Mexicain fait un bon travail là. Ouais, oh, il est touché. Le contre du gauche. Oh, on se met coup pour coup. On veut rien lâcher. Plus précis, c'est toujours Adams, mais le plus fort physiquement. Oh. Ouais, Adams qui a accepté le combat pendant quelques secondes. Voilà un peu de métier, on paralyse, on essaie de calmer le jeu du côté Adams. Et c'est dangereux, hein, avec ces coups, c'est cette entrée des deux hommes, enfin surtout du Mexicain. Attention au coup de tête. La responsabilité est plus grande chez Fernandez. Hein. Oui, puisqu'il se jette un peu et voilà. Voilà. Fin de cette reprise avec un challenger qui va, hein, qui essaye d'aller chercher cette ceinture. Il fait bien son boulot. Il le fait pas toujours adroitement, mais il le fait bien. Et c'est rien n'est joué à la fin de cette troisième reprise. On sent toujours une puissance plus grande chez Fernandez. Une plus grande technique chez Adams. Oui, mais le palmarès de Fernandez avec ses 13 KO pour 15 victoires, c'est toujours un danger. Et oui, ça reste en permanence un danger, c'est clair. Et voilà, c'est dans un angle du ring ou contre les cordes comme ça qu'il peut imposer sa puissance.
C'est là où il peut le faire, mais il reste dangereux et fouillé. Oh là là, il est un peu brouillon. La tête, oh là là là. L'arbitre doit être très proche. Hein. Et Miquel Diaz, qui est un grand professionnel là-bas, est en train de dire « Ouais, il faudrait peut-être faire attention quand même au coup de tête. Hein. » Ouais, c'est vrai, on l'a vraiment vu dans ce ralenti. Miquel Diaz est le soigneur et l'entraîneur de tous les gens de la Top Rank en général, de tous les boxeurs de Bob Arum. C'est un Argentin qui est adorable, c'est très professionnel, ouais, magnifique, dommage qu'il frappe pas. Hein. C'est là où on voit toute la différence. Ah ouais, ça se touche hein, parce que c'est beaucoup magnifique. Précision, tout, mais ça n'a aucune incidence entre guillemets. Évidemment, Adams, culotte bleu clair, ceinture blanche, contre Andrés Fernández, le Mexicain, culotte, on va dire, violette. Ouais. Et s'il frappait, eh bien, Fernández ne jetterait pas comme ça, parce que les coups qu'il a reçus, d'ailleurs, quand on hésite un petit peu après, hein, on se dit... Ah, mais c'est fou, Jean-Claude, parce que c'est vraiment un truc qu'on a ou qu'on n'a pas. Hein. On voit des hommes qui lancent leurs poings, et c'est assez mystérieux, cette chose du punch. Au départ, c'est la frappe. On frappe tous. Il y en a qui frappent plus ou moins fort. Et puis ensuite, c'est la vitesse du coup, la précision des coups qui fait le punch. Ouais! Ce coup-là, par exemple, était fantastique. Attention! Bon. Mais tous les coups que donne Fernández éprouvent beaucoup plus que ceux donnés par Adams. Ouais, Adams qui est un petit peu en train de subir là le rythme du Mexicain qui lui marche dessus. Et on le voit encore là. Beaucoup de volonté hein, de la part de Fernández. Et parfois, Adams qui est un peu dépassé, même si tout ne touche pas. Et il anticipait bien au début. Pour l'instant, il subit un peu trop là. Il y a un renversement de situation qui s'effectue dû à l'ardeur du challenger. Ouais, sûrement des coups qui commencent à faire très mal. Aussi. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que devant un homme qui frappe, eh bien... On ose moins, on pense beaucoup plus à se couvrir. Ce que fait Adams pour l'instant, il sait que ça fait mal en face. Il ne peut plus appliquer sa boxe. Très active, hein, Fernández, qui a senti qu'il a éprouvé le champion. Adams qui avait eu une première chance mondiale. Hein, c'était en 93 dans la catégorie des coqs contre Orlando Canizales pour le titre IBF. Un monument, ce Canizales qui avait perdu son titre devant Nassim Ahmed. Mais c'était un monument. Ouais, Canizales, il avait battu Bones Adams. KO à la 11e reprise. C'est pour vous dire que Fernández, il est là, il sait tout ça. Il se dit que Adams, il a déjà connu les affres du KO. Donc, il essaye de profiter de ses atouts, à savoir une grosse frappe. Un gros cœur. Après, il faudra, évidemment, s'il veut durer, parce que il a déjà 27 ans, lui aussi. Mais s'il veut durer, parce que c'est bien de boxer tout à l'énergie, c'est bien de vouloir, c'est génial, parce que ça fait partie des qualités indispensables pour faire de la boxe et pour faire du sport en général, quand on faut surpasser. Mais on y laisse on y laisse des plumes. Et on répare. Hein. Des deux côtés, on est ouvert. Ça, c'est dû au coup de tête. Ouais, on s'est beaucoup frotté. On a mis quelques coups sur les rentrées de Fernández, le Mexicain. Ouais, on se poussait. Il y a aussi des coups qui arrivent maintenant de la part de Fernández. Même si c'est brouillon, il y a des coups qui arrivent et des coups qui font très très mal. Ouais, Fernández qui depuis deux rounds. Il impose ce qu'il peut imposer puisqu'il n'a pas la technique, il n'a pas la vitesse. Il travaille avec ses qualités, sa force, sa puissance. Cinquième reprise hein, de ce championnat du monde des supercoques WBA. On est toujours à Madison dans le Wisconsin. Il y a un combat qui est plein de suspense. Plein de suspense parce qu'on ne sait pas si Adams va résister au travail de démolition qu'effectue en ce moment Fernández. Enfin, pas qu'en ce moment d'ailleurs, depuis un petit moment il a commencé.
et qui ne peut surtout plus appliquer sa technique. Il ne peut plus la mettre en pratique, lui. Voilà, touché encore, même si c'est à bout de course. Oh, il est pas au mieux, Adams. Il n'est pas au mieux. Oh non, et il subit la puissance. Et sûrement, ces coups qui doivent faire très mal. Hein. On ne le sent pas, effectivement, dans son meilleur élément. Là, il prend des coups. D'autant qu'il y a toujours l'ouverture pour la droite de Fernandez. Elle est déjà passée à plusieurs reprises. Ce bras gauche est trop bas. Voilà, la droite, elle revient encore. Première défense de titre pour Bones. Pour Bones et Adams. Et alors qu'au début du combat, il était sur la pointe des pieds, maintenant il a beaucoup plus de difficultés. C'est uniquement lorsqu'il veut récupérer qu'il le fait. Vous voyez, les pieds sont à plat. Oh ! Qu'est-ce que c'est beau ! Oh, la belle droite ! Ah, si ça avait été la frappe de Fernandez, c'était fini. Oh, c'était soudain. Magnifique. Joli geste. Ah, il aime hein, se servir de son bras droit en travaillant au corps. Et puis, on l'a vu, la pureté de ce geste. Hein, tout d'un coup, on dirait qu'il essaye d'avoir du punch. Hein. Voilà, il essaye, comme vous dites. Mais malgré tout, je crois que cette droite a aggravé la blessure à la pommette. Ouais, on voit maintenant beaucoup de sang hein, qui s'échappe de cette coupure. Ça, c'est la règle. Wow, magnifique. Encore dessus, il y retourne. Ah oui, hein. Depuis ce coup, c'est à peu près, Jean-Claude, il y a quoi, 25 secondes, on sent un autre combat qui est en train de se dessiner. Hein. Ce coup qui a stoppé un petit peu les ardeurs de Fernandez. Ouais, il était temps qu'il se réveille en fait. Il était temps de calmer l'ardeur de Fernandez. Oh, encore le percute là. Et s'il anticipe pas Adams, il va être battu. Il va être battu parce que la puissance à ce moment-là s'impose. Waouh, encore. Et il sait, ouais, il fallait qu'il change de rythme. On était parti sur un rythme un peu linéaire et puis tout d'un coup le champion qui s'est réveillé. Il y a un peu de situation de survie parce qu'il y a deux blessures maintenant. L'arcade et la pommette pour Fernandez. Adams le sait, il le sait que il y a beaucoup de risques en face s'il peut abréger le combat. Ah ouais, on voit le sang, hein. Jean-Claude, c'est fort, impressionnant. Mais ouais. Non, il n'y a pas danger. Il n'y a pas danger, mais ça peut... Ouais. Incroyable. Le retournement de situation avec un Fernandez qui depuis 3-4 rounds était très très présent. On va appeler le docteur sûrement. C'est obligé que l'arbitre appelle le docteur là parce que les plaies quand même saignent beaucoup abondamment et on va regarder la profondeur à mon avis des blessures. Oh là, il est très très ouvert. Les deux. Alors là le docteur peut donner les instructions à l'arbitre parce que c'est l'arbitre qui arrête ou qui arrête. Il n'y a que lui qui peut arrêter. Mais l'arbitre je pense va... Ouais, je suis pas sûr. Ouais, avec deux ouvertures impressionnantes. Oh là là là. Ouais, maintenant c'est profond. Il n'y a pas danger pour sa santé, c'est pas ça. Voilà, et on voit un Fernandez qui était là dans son rythme, dans son combat. Et d'un seul coup, une deux. Oh, c'est celle-là. Magnifique. Une deux, il a fait. Oh, la pureté. Ah, s'il est frappé un peu. Et celle-là en plus, c'était pas mal non plus. Évidemment, il essaie d'aggraver la blessure, c'est clair, hein, on a tout compris maintenant. Vous aussi qui regardez, qui suivez les matchs de boxe souvent sur Canal. Ah, alors là, monsieur l'arbitre Oswald. Non, on essuie le coin là. Non, le docteur, il aurait pu l'appeler pendant la minute de repos, il ne l'a pas fait, c'est étonnant quoi. Allez, début de cette sixième reprise. On a essuyé les coins et monsieur Oswald a. C'est serré pour l'instant, tirer le combat, parce qu'il y a eu un bon début de la part d'Adams et puis Fernandez est revenu en puissance et maintenant je crois qu'il va jeter son va-tout dans la bagarre parce qu'il sait que ça ne peut pas aller longtemps. Ouais, il sait qu'il est touché, il sait qu'il est ouvert de manière importante et la seule solution pour lui c'est de mettre le champion, le détenteur de cette ceinture, Bones Adams KO. Mais le risque évidemment pendant ces minutes de ce sixième round, c'est que ça se rouvre, que ça resseigne. Que ça s'aggrave, quoi. C'est clair, parce que là, c'est bien entamé, quand même. Ouf, attention au coup de tête aussi. Ah, oh, c'est reparti, là, hein. C'est rouvert. Ouais, ça, c'est situation de survie, là, pour Fernandez. Il va tout jeter dans la bagarre. Il va tout jeter, même si c'est pas très académique, très classique. Il doit y aller. Tant pis, il prendra tous les risques.
Jean-Claude, il y a des gens qui ouvrent, hein, qui ont une nature à être plus ouverts que les autres. La peau plus fine. Ça dépend. Généralement, les Mexicains, c'est pas le cas. Ils ont une peau suffisamment grasse qui leur permet de ne pas être trop blessés. Mais la règle n'est pas valable pour tout le monde, quoi. Oui, c'est pareil que le punch, c'est toujours assez mystérieux. Ça. Alors, quand on a la chance de frapper et de ne pas blesser, c'est tellement mieux. Voilà. En difficulté, hein, Fernandez, depuis le cinquième round. Avec. Il encaisse des coups et puis surtout ses blessures qui se sont rouvertes. Maintenant, en plus, il est aveuglé de l'œil gauche. Le sang coule de l'arcade. Et là, ça gêne. Dans son champ de vision, il doit être gêné. Ouais, et le champion, hein, Bonzanas, qui laisse venir, intelligemment. Il a retrouvé ses jambes. Ouais, il a changé de rythme également. On a dû lui dire dans son coin, accélère, c'est maintenant, les blessures sont graves. Là, ça peut s'arrêter à tout moment, il faut accélérer si tu le peux. En tous les cas, il boxe comme il le faudrait. Ah, voilà. Voilà, monsieur Monte Oswald, l'arbitre du Michigan, qui, à un moment donné, hein, on va appeler le docteur parce que c'est tellement. Ouais, c'est ouvert, hein. Il y a deux coupures, une au-dessus de l'œil et puis une à la pommette. Voilà. Stop. Moi, j'aurais presque fait la minute de repos, mais ça, c'est pas moi qui juge. Oui, mais en tout cas, fin de donc ce championnat du monde WBA des Supercoqs où Bones Adams conserve sa ceinture par arrêt sur blessure d'un valeureux challenger, hein, qui était bien dans son combat et puis qui a été touché, qui a été ouvert. Et oui, malheureusement, sur son palmarès, ce sera marqué KO technique. Voilà. On doit avoir envie d'aller à la douche, hein, vraiment d'enlever tout ça, les deux hommes qui sont touchés. Et là, il faut qu'il aille se faire recoudre surtout. Ouais. Faut qu'il aille se faire recoudre. C'est terrible, hein, il était presque en train de mener. Referee Monte Oswald stops the fight at 223 of the sixth round. The winner by TKO and still super bantamweight champion of the world, Clarence Bad to the Bones Adams. Et voilà, deux beaux championnats du monde dans cette soirée à Madison dans le Wisconsin. Des poids légers, c'était super, salut.